超次次元ゲーム、ネプテューヌ、リバース2。Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode sur Hyperdimension Neptunia Rebirth 2 Sister Generation. Enfin on change. Bon, à mon avis, je vais pas avoir les mêmes, voilà, les mêmes configurations que la dernière fois, donc Voice, on va le mettre en japonais. Et ça, ça va rester comme ça. On va pas toucher à ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nouveau jeu. Ouais, voilà, parce que même si je fais un continué, ça sert à rien. Je l'ai pas du tout commencé. J'ai juste écouté l'opening. Enfin, je le commence en même temps que vous. Pas comme Rebirth 1 où j'avais déjà un peu joué, mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, on a les DLC qu'on a obtenus. Ouais, enfin, c'est des gens de Nep Gear, ok. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai vu l'animé d'Hyper Dimension, donc je sais qu'elles ont des sœurs, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ok, Endgear Activating. Direct comme ça, on commence par une scène de combat. C'est tout? Toi, prends ça. Mince. Trop lente, prépare-toi. Je commence. Aïe. C'était quoi? Prends ça. Je t'ai. Ça commence. What? Ah, c'est tout? Neptune? Non, il n'y a pas moyen. Mes sœurs, toutes les 4 CPU, on n'a aucune chance? What the fuck? S'il te plaît, arrête ça. De ce moyen, Game Industry est battu. Ok, bon. On peut avoir des explications, s'il vous plaît, parce que c'est bien, mais... 2000XX. Game Industry a dû faire face à une crise. Les magasins ont été fermés, les créateurs et tout le monde avait faim. Et la mort était pas loin partout dans Game Industry. Mais les CPU ont refusé de laisser ça faire un game over. Game Industry a servi à utiliser le chaos il y a longtemps. Ok, donc ils ont utilisé Magicon, leur force syndicat, voilà. Moralité, tout s'est évanoui. 80% des étudiants et rumeurs à propos de ça savaient qu'à leur foire, des parents, en dépit de ce qui est dit, on doit partir, les enfants éviter ça. Ils ont gouverné le monde, mais il y a eu des gros problèmes, donc Game Industry était mise en dessous, et puis Game Industry est tombé pour oublier totalement le jeu vidéo. Ceux qui essaieront de corrompre le monde ont sont envoyés dans le cimetière de Game Industry pour toujours. Comme Ifi et Kompa, allez l'expérimenter maintenant. Bienvenue au cimetière de Game Industry. Alors c'est traduit à l'arrache parce que d'habitude j'ai un peu de temps pour traduire, mais là c'est vite fait quoi. Ok. Ouais, quelqu'un là s'il vous plaît. Oh, il fit comme pas, ça faisait longtemps. On a finalement fait, on est au cimetière de Game Industry. Ouais, ça y ressemble. Pourquoi es-tu effrayé? Mais il y a des trucs étranges partout dans cet endroit. Ouais, ok. Par contre, plus jamais de cinématique, s'il vous plaît, parce que c'est la merde à traduire. Oh, histoire. Et ce nom implique que le cimetière de Game Industry est... où se trouve tout ce qui est passé et où ça restera pour l'éternité.
Tout ce que vous voyez ici a été un jour appartenu un jour à un habitant de Game Industry. Oh vraiment? Tu sais, c'est pourquoi j'ai dit que ça irait si tu restais derrière. Non, il n'y a pas moyen, je ne serais pas d'accord avec ça. Alors, on va mettre au clair tout de suite quelque chose, parce que j'ai vu l'animé et GG, c'est pas non, GEGE non, c'est Gear-chan, c'est la sœur, c'est Nepgear. Donc voilà, dans tout le jeu, je vais remplacer ce GG. Donc quand vous allez voir GG, c'est Gear-chan, par Gear-chan quand je vais traduire. Donc je suis désolé, mais ça sera comme ça. Je veux pas traduire GG, c'est dégueulasse en plus. Même Kampa elle dit Gear-chan. Hein, je vous remettrai l'audio à ce moment-là. Mais voilà, c'est Gear-chan, c'est pas autre chose. Je veux aider Nep-Nep et Gear-chan et les autres CPU aussi. Et moi aussi je veux. C'est dur à croire qu'ils sont perdus ici depuis 3 bonnes longues années maintenant. C'est tellement stupide de leur part de m'inquiéter comme ça. Tout rentrera dans l'ordre bientôt. Je suis certain qu'elles sont en vie. Elles ont été injustement mis là-bas, et aussi longtemps que tu poseras cette chéricite, donc à mon avis c'est une pierre pour les partages, ouais, tout ira bien. Voilà, chéricite, donc la pierre de le cristal de puissance de la croyance des gens. C'est vrai, tu as raison. Ok, dépêchons-nous et trouvons notre lady, Kampa. Qu'on la ramène à la maison vite. D'accord. Oh, cette recherche va prendre des années. Hein? Où penses-tu que tout le monde peut être? Hein? Yex. Hein, qu'est-ce que tu as soudainement vu? Une voix. J'ai entendu une voix. Tu as entendu? Où ça? Dans quelle direction ça provenait? Je pense que c'était par là. Bien, allons-y. Attends une minute. Ne me laisse pas ici toute seule. Elle est là, c'est Nep. J'ai peur. D'accord. J'ai bien fait d'avoir peur. Coucou Nep. Ifi. Kampa. Gear-chan est ici aussi. Et regarde les autres CPU. Comme c'est douloureux. Qui croirait qu'elle aurait fini comme ça? Oh, blanc, je crois que c'est la meilleure sur l'image. Nep, sors-toi de là! Qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est pas bon, hein, elle est froide. Mais qu'est-ce qui est arrivé? D'où proviennent ces tentacules? Pas le temps d'attendre qu'elle te réponde. Kampa, s'il te plaît, utilise la chéricite. D'accord. Elle est quelque part ici. Dans ma trousse de soins. J'ai gagné, avouez-le. What? Ah. Qui es-tu? Tu te ferais mieux de pas te mettre sur notre chemin.
Hein, pour quelqu'un qui ne doit pas venir ici, mais qui a eu assez de foi pour venir ici, c'est inconcevable. Trois longues années que j'ai attendu ça depuis longtemps, mais c'est finalement le temps de les détruire. Et je comprends pas son problème. Mais on doit le battre de nos mains, donc dépêche-toi, je vais sauver les CPU. Ok. S'il vous plaît, réveillez-vous. C'est quoi, c'est une caméra qu'elle a, Nebgear? Hein? Gear-chan, t'es de retour. Compa, j'étais... Je suis tellement content que tu aies envie. Laisse-moi réveiller les autres CPU aussi. À mon avis, ici, elle a pris cher. T'es tellement faible, tellement pathétiquement faible. Allez, donne-moi un combat intéressant pour moi, s'il te plaît. Ici. Voilà. Nebgear. Je me sens un peu stupide de te voir ici. Donc, dépêchons-nous. Fais attention, cette saloperie est vachement forte. Laisse-moi aider aussi, mais... On doit gagner un peu de temps pour réveiller tout le monde. Je vais combattre aussi. Ok, bon, alors l'Exedrive, on n'a pas besoin de me réexpliquer. J'y viens de faire le 1, donc oui, j'ai pas besoin que tu me réexpliques comment ça marche. What? Oh, il est dégueulasse. Et compa, et fille, elles sont où là? Ok, bon, j'ai que l'Exedrive. Celestial, c'est quoi? C'est mon tour. Ouais. Ah oui, d'accord. Bon, bah voilà, je pense qu'elle fait zéro de dégâts. Bon, bah ça va être pratique, ça. Attends, c'est tout? C'est tout, vraiment? C'est toute la force que tu possèdes? On l'affecte pas du tout. Compa, est-ce que les autres et Nep reviennent à leurs esprits? Je pense pas qu'ils vont pouvoir se réveiller de sitôt. Peut-être que la chéricite n'était pas assez pure pour réveiller les CPU proprement. T'es sérieuse? Y'a rien d'autre qu'on peut faire ici? À nouveau? Je vais encore perdre à nouveau? Non, ça ne peut pas. C'était juste une perte de mon temps. Je vais vous finir vous toutes, maintenant, ici. Non, je suis complètement faible. Attends, si j'utilise ce qui reste de la du pouvoir de la chéricite, s'il te plaît, faites que ça soit bon. Allez. Hein? Qu'est-ce qui se passe? La lumière! Mes yeux! Ça a marché? Bien pensé, Nebgear. C'est assez? Hein? Gear-chan? Non, c'est pas le moment de passer de côté. Attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a vraiment perdu conscience maintenant? Après tout?
impardonnable. Oh merde. Vous ne vous échapperez jamais une fois que mes systèmes reviendront à la normale, je vais vous tuer. C'est le moment de mettre les voiles. Rien d'autre ne pourra être fait maintenant. Tu l'as entendu, Compa? Dépêche-toi et prends Nebgear et emmène-la loin de là. Oui. Tu vois, on a tout fait, mais on a perdu. Ouais, Gear-chan est vraiment plus lourde que ce qu'elle a l'air. Mais après tout ça, la seule qui a pu nous aider était Gear. Non, ne disons rien. Le pouvoir de la chérécite a été dispersé et a fait tout et a fait briller et a relâché une grande lumière quand Gear-chan l'a montré. Il n'y a pas d'autre moyen qu'on puisse aider les autres CPE sans ça. Il n'y a pas d'autre raison pour que vous soyez si dur envers vous-même. Sauver Nebgear est vraiment critique dans ce que vous avez fait. Bien, quelle est la suite, histoire? Retournez à Planétude et pouvons-nous faire se reposer Nebgear avant qu'elle puisse retrouver sa vraie force? Et puis ça, je dois apprendre de ce qu'elle a vu pendant ces 3 dernières années. Même si c'est douloureux pour sa mémoire, faut qu'elle se rappelle. Ok, donc on vient de finir le chapitre 0. Bonjour. Tu t'es finalement réveillée. Je suis vraiment contente. Tu as vraiment dormi pendant vraiment très très longtemps et j'étais inquiète. Et comment te sens-tu? Je pense que je vais bien, mais je suis vraiment vraiment désolé. C'est à tout le monde de s'excuser, surtout moi. C'était mon ordre de t'envoyer sur le terrain de bataille. Non, je t'en voudrais jamais, Isti. Mais tout ça est arrivé très très vite parce que j'étais pas assez forte. C'est peut-être soudain, mais je dois te demander de me remémorer tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans quand tu étais dans le cimetière de Game Industry. Bien sûr. C'est impossible, vous avez toutes perdu face à un seul adversaire. C'est tellement dur à entendre. Comment les CPU peuvent perdre? Je peux vous poser une question? Qu'est-il arrivé à Game Industry après qu'on ait perdu cette bataille? Tu as dit que ça faisait 3 ans, donc... Elle était pas censée être gentille. La situation est dans un état critique, j'en ai bien peur. A6, est sous le commandement de Arfoir, contrôle tout ce, la plupart du monde. Les copies des disques, détruire les disques et copier les copies de disques, même les enfants maintenant voient ça normal et ils ne croient même plus en ça.
En d'autres mots, ça veut dire que tout le monde croit en ASIX et que la foi et le pouvoir des CPU a baissé vraiment dangereusement. Faire juste ce petit cristal de chéricite nous a pris à peu près 3 ans. Oui, avec les CPU absents de leur nation, c'est pas une surprise si on a échoué dans le même temps. Et on vient d'apprendre que le but d'ASIX était de faire revivre un Deity of Sin. Le ratio de notre monde est en déclin, mais ils sont pas loin d'atteindre leur but. Mais il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire? Oui, il existe un moyen. Et c'est toi, Nepegir. Avec les autres plus jeunes CPU, les sœurs, tu es une candidate CPU. Attends, moi, je suis pas le seul CPU candidat. Correct. Comme tu le sais, tous les CPU et eux-mêmes et les CPU et les candidats à CPU sont capables de reporter des partages. Si assez de chairs sont retrouvées, ASIX et les autres affiliés deviendront plus faibles. Ils veulent de moi que je collecte des partages. Au lieu de ma sœur, je dois aider Neptune. Je vais aider le monde, mais... Il n'y a pas moyen, je peux même pas battre un opposant aussi fort, donc j'ai aucune chance. C'est pas une approche un peu lente? ASIX serait capable d'avoir tous les partages rapidement et donc ça va être dur de les réclamer. Bon point. Et tous les gens qui croient au CPU ont probablement, savent probablement qu'ils ont perdu maintenant. Et dans ces cas, on a besoin d'un assistant des mascottes qui résident dans chaque nation. Comme des mascottes de jeu. Nés des anciennes déesses, il contrôle la balance et ordonne le monde dans une façon passive. C'est-à-dire, ils président toutes les nations et assurent leur prospérité et leur remaniement vers la neutralité. Mais quand c'est nécessaire, ils peuvent se lever avec les CPU et contrôler le monde de l'influence du mal. J'ai jamais entendu qu'ils existaient. Au lieu de ça, pas besoin de s'inquiéter. Je suis inquiète de savoir où ils sont précisément localisés. Mais j'ai recherché où la mascotte de Planétune résidait, mais je n'ai pas rien trouvé. Je vous informerai la première fois que j'aurai trouvé quelque chose. Mais pendant cela, s'il vous plaît, faites regarder des partages à Planète Neptune.
Ça aussi permettra à Netgear de se réhabiliter au combat. Ça fait sens. Je veux dire, si Kirchan ne peut pas. N'a pas pu bouger pendant ces trois longues années, on peut pas la laisser se battre tout seul. Ah. Et t'as entendu, Netgear? Oh oui! J'ai l'impression qu'elle est encore plus conne que sa sœur. Eh bien, je suis vraiment ravi de te donner ça. Ok, on a reçu un Netgear, c'est quoi? C'est quoi? C'est le Netgear. C'est un truc portable avec une multitude de fonctions. Donc ça va vraiment t'aider. Ok, donc c'est Lily Rank. Ouh, ça je l'ai vu. Hein. Eh bien, qu'allons-nous faire maintenant? Eh bien, si on trouvait du travail à la guilde. Pourquoi on les entend pas? La guilde, hein? Oh, c'est vrai, j'ai jamais. Je me suis jamais rendu là-bas. Et toi, Gear-chan? On a fait des tas de travaux pour. À travers Game Industry ici. On va en prendre une pour exemple. Complète-la, rapporte le résultat et on sera payé. C'est plutôt simple, non? Bon, je suis actuellement en train d'en faire une, mais ça va te donner une meilleure idée de comment ça marche. Allons-y. Pourquoi j'entends personne? Bonjour, je voudrais signer quelque part pour avoir un peu d'amusement. Seulement un seul travail aujourd'hui, voyons voir. Une quête ici, battre tous les Dogo qui sont en train de surpeupler Virtua Forest. Rapporte tout ça, ils ont été attaqués par un pack de Dogo. Terminé. Oh, c'est un travail pour nous. Virtua Forest, c'est tout proche de nous. Et messieurs les Dogo ne sont pas vraiment des ennemis trop forts. Ok, mais est-ce que je suis vraiment prête pour ça? Ça ira, allez, allons de l'avant, allons à Virtua Forest. Ok, les combos. Bon, ça change pas d'habitude. Ouais. Bon, bien voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth 2. Ah oui, les chiens, ils sont vraiment au bas, quoi. C'est quoi, ça? Louis, la station. Et où, le truc de verre? L'inbox, il est là. Et là, c'est Air Force. Bon, voilà, donc c'est la fin de cet épisode, de ce premier épisode sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth 2. Je vais avoir du mal. Donc bon, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss tout le monde!